Je m'appelle Kelly Kennec. Je suis une Suissesse qui arrive à Montréal pour jouer et étudier à l'Université de Montréal. C'est clair que au début, ça semblait pas vrai. En arrivant à l'aéroport avec ma mère, puis en réalisant un peu dans l'avion que je suis partie pour 5 ans, vraiment qui vont, pas je dirais changer ma vie, mais qui vont vraiment m'aider à créer un peu mon futur. C'est clair que j'ai eu un petit moment de stress, mais c'est clair que Montréal, c'était pas inconnu pour moi. Mes grands-parents habitent à Pointe-Claire, donc ça fait depuis que je suis née que je viens au Canada. Mais je venais pour un but un peu différent cette fois-ci, puis j'étais vraiment très excitée de commencer ce parcours avec les Carabins. Puis d'être à Montréal, c'est une ville absolument fantastique. Alors ma colocation avec Chab, donc Marie-Pierre Chabot, la gardienne, elle est juste fantastique. On se complète, moi j'ai l'impression aussi que je la connais depuis genre 10 ans. C'est sa cinquième année, c'est ma première. C'est clair que ça me montre qu'elle a eu de la confiance à partager un appartement avec une recrue. C'est pas aussi simple de prendre cette décision. Vraiment, j'aurais vraiment pas pu demander de mieux. C'est un peu cliché à dire, mais c'est ma famille là. Ça fait un mois et demi que je joue avec cette équipe. C'est vraiment une grande famille. C'est cliché à dire, mais c'est vraiment une grande famille. Je sais que si j'ai un problème, je peux poser une question à n'importe qui dans le groupe. Et bah, moi, je m'intègre tellement facilement juste parce que je suis une personne qui aime le contact humain, qui aime parler avec des gens, qui aime rigoler. Je pense qu'il n'y a pas un moment de la journée où je rigole pas. C'est juste qui je suis. Je force pas les choses. S'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, bah, je suis là. Ils le savent direct. Puis bah, c'est tellement une équipe facile à s'intégrer que même sans ma personnalité, ça aurait été facile. Donc le match d'ouverture, c'était vraiment une chose qu'on m'a dit, que c'était un événement vraiment grandiose sur campus, puis que c'était vraiment une chose que, comparé à d'autres équipes, Marie-Pierre, elle m'a vraiment dit que ça allait être quelque chose de 10 fois, même 20 fois plus grand. Puis elle m'a aussi juste conseillé de ne pas penser au stress, parce que c'est clair que tu as des lumières sur toi, tu as le speaker qui parle, qui dit ton nom, tu dois rentrer sur la glace, tu dois faire gaffe que tu ne tombes pas. C'est toutes des petites choses, mais elle m'a vraiment dit ça. Juste prends ça, pas la rigolade, mais prends ça avec le fun. Gère pas le stress, pense pas à tout ce qui est autour. Mais c'est clair que c'est tout beau, le début, la présentation des joueuses et tout ça. Mais dès que le puck qui touche la glace, là, c'est où il faut changer la mentalité. Et puis il faut vraiment réfléchir à ce que tu vas faire pendant le match. Moi, c'est clair que mon rêve des Jeux Olympiques, c'est pas un rêve irréaliste. J'ai mes chances, on m'a dit que j'avais mes chances, que si je travaillais sur certains aspects, que mes chances seraient encore plus bonnes. Donc c'est clair que je vais tout faire pour, j'ai encore quelques mois à me préparer, puis on verra ce qui suivra. Par rapport à mes 4 prochaines années, je pense que je vais faire de même, je vais essayer de faire parvenir ce message aux filles qui vont arriver, qu'on est là, qu'on est une équipe soudée, puis que peu importe qui tu es, tu vas rentrer avec un groupe qui va t'aider dans n'importe quelle situation. C'est clair que je vais apporter tout ce que je peux pour aider non seulement mes coéquipières, mais aussi le staff. Mes 4 prochaines années ici au Carabin vont vraiment être quelque chose qui vont me bâtir en tant que personne, puis qui vont m'aider à créer des liens et des amitiés avec beaucoup de gens.